Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la carrière aux Rangers. Aujourd'hui, on a un petit match face à Johnstone, donc le début de la nouvelle saison continue et la course à la Ligue des Champions aussi. On espère pouvoir continuer sur une belle lancée et du coup, voilà, je pense qu'on n'a pas d'autre truc à dire à part que l'équipe est un petit peu fatiguée et du coup, on va pouvoir partir pour le match. J'espère que la Ligue des Champions, j'espère vraiment qu'on va y arriver. Johnstone, on essaie d'avoir les 3 points en ce début de saison. C'est important pour se mettre en piste dès le début de saison. Bien. Ah oui. Oh oui. Camara. Camara. Le but. 1-0 pour les Rangers. Le but. C'est Camara. Et sur une passe de Itzen, belle récupération. On a eu un petit peu de... Bah, en fait, c'est le début, hein. Franchement, on n'a pas eu de mal. Donc, la défense s'est fait avoir. Quelle passe, quand même. Pour le défenseur, là. Numéro 6 qui s'est fait avoir. Camara, frappe tranquillement. Et le but. Pardon. Le centre d'Arnaud tire. Oh oui! Mais oui! Mais oui! 2-0 face à Johnstone. Le break qui est fait par Itzen. 2-0. Quel centre! Et quelle reprise surtout! Arnaud tire. Ras de la défense. Et un frappe. Se jette complètement. Itzen. La reprise. Oh là là là. Le gardien qui passe à travers. Penalty. Carte jaune pour McCart. C'est Gourson. Attention à ne pas rater son penalty. Et le but. 3-0 face à Johnstone. 3-0. Et bah c'est bon, hein, on va gagner ce match. C'est fini, 3-0, les 3 points en poche comme je l'avais dit, et le prochain match, on va bien voir ce que c'est, je pense qu'on va pouvoir directement passer, on va pas perdre plus de temps, on va passer à l'autre match. Encore un tour de barrage face à l'Olympiakos, donc le match retour, donc il y a encore plein de tours de barrage avant d'accéder à un groupe, donc c'est très compliqué d'après ce que je comprends. D'accéder à un groupe, il faut éliminer beaucoup d'équipes, mais aujourd'hui il va falloir éliminer, donc pour le match retour on devait gagner 2-1 à l'aller, maintenant il faut gagner ce match retour. Kent. Kent, dès le début, il peut ouvrir le score. Kent, le but, 1-0, face à l'Olympiakos. 3-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Ça commence bien dès le début. C'est une accélération de Kent. En plus, j'ai fait tourner, c'est l'équipe B, donc voilà, c'est bon. On est... belle inspiration. Ok, bon. Normalement, on n'est pas loin de se qualifier. Oh, Dolberg dans le dos de la défense. Oh, dans le dos de la défense, le but. Le but de Dolberg. On est à l'extérieur, on mène 2-0 maintenant. Et on fait le show ici. On fait le spectacle. Pour... normalement pour nos supporters, mais là c'est devant les supporters de l'Olympiakos, dans le dos de la défense, c'est trop tard pour eux, pour réagir. Dolberg est là, pour crucifier cette équipe. On dirait que c'est fini pour eux. G
Hakli qui est tout seul. Eh non, il est pas tout seul avec Dolberg et le but. 3-0. Oh, je pense que là, si on continue à des... Je pense que là, je vais faire comme le match face à CFR. Je vais couper les autres buts parce que sinon ça fera trop de buts. Et je pense que là on va dérouler face à l'Olympiakos. Ouais, peut-être un but dans ces dernières minutes. Finalement on n'a pas marqué beaucoup de buts, mais bon. Et 6-1. On les aura battus beaucoup plus facilement qu'à l'aller. À l'aller... Ils nous ont dominé clairement, mais au match retour, on a dominé les débats et on est passé. On part directement pour le prochain match, et c'est peut-être un match de championnat. Alors juste avant de partir pour le match, donc on a notre groupe, donc on a réussi les barrages. Alors on a l'Atlético, Leipzig et Monaco, donc ça va être compliqué. C'est un groupe très compliqué, à part Monaco, je pense qu'on peut gagner. Par contre, Leipzig... Et l'Atlético Madrid, ça risque de compliquer. Donc là, on joue un match face... Attendez, on va voir. C'est un match de championnat face à Motherwell. Let's go. Motherwell. Donc, on espère gagner. Le centre. Oh, la passe. Oh, le but. Oh, celui-là, il est beau. Qu'il est beau ce but! Quelle passe surtout de... Alors, est-ce que c'est Hernando Tir ou quelqu'un d'autre? Ou Strom ou... Qui ça peut être? Ah, c'est Abrahamson! Quelle passe! Oh là là! Petite aile de pigeon, passe, frappe et le but! Même si le gardien a encore la touche, hein. Le gardien n'arrêtait pas de faire des arrêts depuis tout à l'heure. Clac! Quel but! Surtout, en fait, ce qui m'impressionne, c'est la passe et la rapidité de l'action. Là où ça vient, ça finit quoi. Attention, White, il est tout seul. Ah, oh, il l'a mise. Il l'a mise. Tout proche de la fin, White, sur une accélération. La défense qui est prise de vitesse parce qu'ils sont trop fatigués. Et c'est fini. Peut-être une égalité entre les Rangers et Mobo. La dernière occasion, l'arrêt. Oh, l'arrêt décisif du gardien. C'est Grandson. Il faut donner tout. Il faut tout donner. Il faut tout donner dans Sardena. Oh non, ils auraient pu... Ah, on aurait pu gagner. Dommage. Bon, on fait l'égalité pour ce match. C'était très chaud. On s'est fait avoir en contre, malheureusement. Dommage. Bon, normalement, du coup, on a bientôt un match de Ligue des Champions, donc de phase de groupe. Donc, ça devrait être sympa. Donc, on se retrouve pour le prochain match. Normalement, c'est pour un match de Ligue des Champions. Non, c'est toujours un match de championnat. Let's go! Encore un match de championnat. Après, c'est un match de Ligue des Champions en face de groupe face à l'Atlético. Kent, il est tout seul. Le but. L'ouverture du score. Et attention, hein, parce que à chaque fois, on ouvre le score, mais après, on se fait rejoindre. Donc, il ne faut pas se faire avoir encore. Et surtout, avant le match face à l'Atlético, il faut se mettre en forme. Il faut montrer notre niveau, nos ambitions. Holm. Le petit passe pour... Oh oui! C'était pour Dolberg ce but! Mais finalement c'est Kent qui surgit après un petit tacle de Dolberg. La défense, le défenseur qui était complètement trompé, il n'était pas... Il pouvait pas prévoir que Kent allait arriver. Le centre. Et là, hop, le tacle, l'offrande pour Kent. 2-0. On fait le break. Dolberg est tout seul.
Dolberg. Dolberg. 3-0. 3-0 face à Hamilton. Ça y est. 3 buts d'avance. Je pense que c'est fini pour eux. Holm. Holm. Et il peut marquer. Dommage. Oh, Dolberg. 4-0. 4-0. Hamilton, ça y est. Bah, on peut leur dire au revoir. Hein. De toute façon, là, on a gagné clairement. Hein. C'est match presque facile parce qu'ils ont abandonné. Mais normalement, si ils auraient très bien pu revenir. Dolberg qui est tout seul, il y a deux défenseurs derrière lui. Il n'est pas du tout attaqué. Ah, ça fait mal. C'est compliqué là. Ah oui. Ouh, on a fait marquer un but magnifique à la fin, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui apparemment. Nos jeunes sont très très bons, mais pas assez expérimentés. C'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à marquer facilement. C'est pour ça qu'on a Dolberg d'ailleurs. Là, dans le prochain match, on aura l'Atlético. C'est très compliqué quand même. Hein. On va essayer de faire quelque chose de bien face à l'Atlético. C'est l'équipe B. Tu vas devoir jouer. Allez, le 15, le poteau rentrant. Poteau rentrant. 1-0 face à l'Atlético. On a du mal. On a du mal. Cette équipe de l'Atlético est très, très, très forte. Ils nous dominent, hein, clairement. On sait que sur une contre-attaque, ils peuvent marquer. On sait qu'ils peuvent marquer à tout moment. Mais ça va être très compliqué. Heureusement qu'on marque. Soyberg avec Itten. Qui a vu Soyberg en deuxième, poteau. Eh oui, 2-0 face à l'Atlético. Et toujours dans l'objectif de marquer et de rester concentré parce que on sait qu'à tout moment, cette équipe peut réagir. Ils sont très très dangereux. Mais là, ils font des erreurs et on en profite. Plus que quelques secondes. Allez. Ah, la tête. La tête de Suarez qui sort. Pierre. Et c'est fini. Ça y est. 2-0. On gagne nos 3 points. C'est mérité. Franchement, mérité. Un match vraiment phénoménal. Sensationnel. Qu'on attendait. Et... on l'a eu, hein, 2-0. C'était franchement très très serré ce match. Et on est parti pour le dernier match, c'est un match de championnat. Kilmarnock, championnat. Match très intéressant. Il part tout seul, Hadji. Le bon appel de Hadji. Ça peut donner quelque chose. Hadji! Et le but! 1-0! Kilmarnock se fait mener dans ce match. Le championnat se déroule plutôt bien. Mais en même temps, il y a des fois où on a un peu de mal. Mais c'est normal, c'est la Ligue des Champions qui nous fait ça. On est un petit peu plus fatigué. Mais c'est pas grave. L'année dernière, en fait, on a pu se concentrer carrément sur le championnat et la coupe d'Écosse. Donc c'était facile. Mais là, on a deux coups et plus le championnat, donc c'est un peu compliqué. Dommage. Bah, c'est derrière. Berg. Il arrive à passer. Et le but. 2-0. Le break. Kilmarnock qui perd pour l'instant les 3 points. Et nous laisse filer en première place. C'est ce qu'on veut. Encore une fois, la première place.
pour gagner tout simplement. Kent, qui arrive à passer, oui. Kent. Et le but 3-0. Ça y est. Je pense que, en fait, on a gagné, là. On a gagné, clairement. 3-0. Pini. 3-0. Match contrôlé du début à la fin. Même si Phil Marnock a pu tenir ses lignes. Je pense qu'ils ont... Là, ils ont rien pu faire à la fin. Hop, on va faire comme d'habitude, on va faire ça. Ah, c'est vrai qu'un petit un blessé, ça fait mal. Mais il va falloir... Déjà, je vais voir combien de temps il est blessé. Je suis blessé 2 mois. Aïe, oh, ça fait mal ça. 2 mois, Erlander. Il va falloir trouver un défenseur remplaçant parce qu'on n'en a pas d'autres. Bon, du coup, dans le prochain match, c'est un match de championnat. Et on aura un match de championnat face à Livingston. On aura un match face de Ligue des Champions face à Monaco. Un match avec l'Islande, un match de championnat. Ok, on a pas mal de matchs. Pour la prochaine vidéo qui sera très diversifiée du coup, hein, ce sera plutôt sympa. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à partager cette vidéo. Et du coup, voilà, hein, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir un joueur aux Rangers, pas trop cher, genre 10 millions. J'ai vendu quelques joueurs, mais pas beaucoup. Ils voulaient plus acheter des joueurs parce qu'ils sont pas très intéressants apparemment. Donc voilà. Merci à tous et à plus tout le monde. On est deuxième pour l'instant au classement.